Le repas des aînés de la ville d'Alès a fait son grand retour au parc des expositions d'Alès Agglomération ce dimanche 19 février, après 2 années d'interruption. Cette journée, elle est très attendue par beaucoup d'Alésiens parce que c'est leur journée, c'est la journée de fête. C'est une journée complète. Ils déjeunent et après ils vont danser. Bon voilà, c'est vraiment la journée de fête. Plus de 2000 Alésiens de 70 ans et plus ont profité de ce moment convivial. Pour certains, c'était leur première fois. On m'a dit que c'était très agréable et que je suis avec des amis. Alors c'est la première fois que je viens. Qu'est-ce que vous attendez ? Eh bien écoutez, faire des connaissances, on verra bien. Favoriser les échanges, c'est en effet tout l'objectif de ce repas des aînés. Rappelez-vous, pour le plus ancien, on en faisait 4 à la commune. On a décidé de faire ensemble pour que tous les quartiers soient là, toute la ville soit là, de telle manière qu'on puisse échanger, discuter, et se revoir. Cette journée a aussi été l'occasion de mettre à l'honneur 4 doyennes d'Alès. Marie-Félicie Palère, 98 ans. Maria Lopez, 99 ans. Yvonne Guy, 100 ans et 4 mois. Et notre doyenne, Madame Henriette Pradine, 100 ans et 8 mois. Tout au long de l'après-midi, l'animation était assurée par un spectacle musical, suivi par le bal animé par l'orchestre KLO. Ce grand rendez-vous a sans aucun doute fait des heureux. D'abord, on a été très bien accueillis. Ensuite, on a eu un excellent repas. On a passé un très bon après-midi. Rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau repas des aînés.